Bonjour à tous et bienvenue sur CVMAT. Problème numéro 10, 16.43, on nous demande de résoudre l'équation suivante. 3 puissance x plus 2 plus 3 puissance 2 moins x est égal à 82. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, je vous donne ensuite la correction de ce problème. Alors, 3x plus 2 s'écrit 3x fois 3 puissance 2, donc 9, plus 3, donc 9, sur 3 puissance x. 3 moins x, on vous rappelle que 3 moins x est égal à 1 sur 3 puissance x, est égal à 82. Donc, arrivé ici, on va multiplier par 3 puissance x, donc 3 puissance x fois 3 puissance x fois 9, plus 9, égale à 82 fois 3 puissance x. Donc 3 puissance x fois 3 puissance x fois 9, plus 9, plus moins 82 fois 3 puissance x, est égal à 0. On va poser maintenant grand x, est égal à 3 puissance x. On a alors x fois 9, plus 9, moins 82 fois grand x, égal à 0. Donc 9x au carré, donc moins 82x, plus 9, égal à 0. On va utiliser la méthode delta, on a l'équation du second degré, donc delta est égal à b carré, 82 au carré, moins 4 fois 81. 82 au carré, moins 2 fois 9, le tout au carré, donc 18. Donc delta, c'est égal à 82 moins 18, 64 fois 100. Donc racine de delta, c'est égal à 8 fois 10, 80. Donc deux solutions. Racine de delta est égale à 80, donc deux solutions. X1 est égal à 82 moins 80 sur 18, 2 fois 9, 18. Donc 2 sur 18, 1 neuvième. Et X2 est égal à 82 plus 80 divisé par 18. Donc ce qui est égal à 9. Et donc on a 3 puissance x égale à 1 neuvième, et 3 puissance x est égal à 9. Donc x est égal à moins 2, ou x est égal à 2. Donc les deux solutions sont les suivantes, moins 2, 2. Donc les solutions de l'équation étoile, c'est moins 2 et 2. Bien voilà pour ce problème, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.